Alors, on va suivre de nouveau la salle 7. On va suivre de près Tivoli, Casac Bleu et Bleu Clair, le numéro 8. Tivoli associé à Maxime Béziers. C'est un cheval qui a beaucoup de moyens. Attention à Tivoli, peut réaliser une très belle performance aujourd'hui, ce numéro 8. Fait partie des très bonnes chances de l'épreuve. Et on va se placer une nouvelle fois sous les ordres. Tout à l'extérieur c'est également, parti. La Dac JL, Laura D'Amour qui est partie extra au centre. C'est Laura D'Amour qui va s'installer en tête. Kit Tivoli est remarquablement placé en dedans. Super Light, remarquablement placé également le long de la corne. On a Milia Piergi dans le groupe de tête. Au 25 mètres, eh bien, nous voyons Kizako Fedo qui est parti sur la bonne jambe. Ils sont tous bien partis au 25 mètres. Mais il y a vraiment 25 mètres entre le premier et le deuxième échelon. Super Light, tête et corde, le 12, Jorgen Wallström, c'est la Suède qui est au commandement. Deuxième position, Laura D'Amour qui reste sur sa victoire d'Argentan, cette casaque bleu pâle toque jaune. À l'extérieur, Milia Piergi, c'est pas de chance d'être à l'extérieur comme ça. En dedans, la casaque de Maulne du Corta, c'est Niki, un autre cheval de grande qualité de Jean-Pierre Barjon, qui de Tivoli, précédent Light Up de Venage, Jean-Michel Bazir qui se rapproche. On voit un peloton extrêmement groupé. Que se passe-t-il à l'extérieur? Notre fort a dû assurer les premiers mètres et vient à l'extérieur actuellement dans le dos de Light Up de Venage. Jalba Dupont est à mi-peloton. Nous sommes à 2000 mètres de l'arrivée et c'est toujours Super Light qui a l'avantage. Milia Piergi est deuxième. Tout à l'extérieur, c'est Light Up de Venas, le 6, qui ramène dans son sillage notre fort. Ça se passe bien pour Christian Bijon, qui a le dos de Jean-Michel Bazir. Laura D'Amour a un dos également. Pas forcément le meilleur des dos. Le long d'accord de Niki, Jalba Dupont à mi-peloton. Kit Tivoli n'est pas loin non plus. Lassa, Pierre Lévesque est 8-9e. Il n'a pas pris un départ violent, mais il est bien placé au sein du peloton. À l'arrière-garde, nous retrouvons le beau Casier de Guèze. Et nous retrouvons également Jardy et aussi Kézard Cofedo et autres Marabourbon. Nous sommes à 1500 mètres de l'arrivée bientôt avec Super Light toujours en tête. Light Up de Venas deuxième, Niki Calais à la corde. Milia Piergi n'est plus qu'à quatrième. Embête un peu Laura D'Amour qui est dans son sillage. Le grand Niopette d'Ombray est toujours là et notre fort qui accélère maintenant tout à l'extérieur. Nous allons vers les 1300 derniers mètres sous la conduite de Super Light le 12. En deuxième position, nous avons Jean-Michel Bazir et le 6 Light Up de Venas. Notre fort attaque. L'As à l'extérieur, c'est le concurrent de 5 ans qui va essayer de battre les vieux. Calais à la corde, nous avons Niki également à 5 ans. Non loin se retrouve Milia Piergi qui semble plafonner. Laura D'Amour qui essaye de doubler Milia Piergi. Un petit peu plus loin, Jalba Dupont. On voit que Casier de Guèze ne reviendra plus. On voit également à l'arrière-garde Lady Dovrecy. Nous sommes à 800 mètres de l'arrivée. Toujours Super Light en tête. Niki deuxième. Light Up de Venas. Milia Piergi, notre fort qui hausse le ton, le numéro 1. Assez 12 en tête désormais. Le 3. Laura D'Amour se rapproche dans le dos de notre fort. Attention. Alors que Lassa est au galop et disparaît. Lassa, malheureusement, au galop. Nous allons vers le dernier tournant. Toujours sur la conduite de notre fort qui hausse le ton en compagnie de Laura D'Amour. Le long d'accord Super Light qui se défend. Becs et ongles. Kit Tivoli, redoutable finisseur, est en position de contre. On revient avec l'Adalgiel qui regagne beaucoup de terrain. Nous revenons dans le dernier tournant avec Laura D'Amour. Incroyable. Laura D'Amour, tête et corps. Laura D'Amour se détache actuellement. Louis Baudron en deuxième position. Nous retrouvons Kit Tivoli. Notre fort a un peu de mal. Super Light est toujours là. On revient le long d'accord des également avec Niki. Voilà l'Adalgiel qui va finir extrêmement vite. Entre à ligne droite avec Kit Tivoli qui prend la mesure de ses adversaires. Le 8, le 3, Laura D'Amour à deuxième, le 10. L'Adalgiel revient, l'As, notre fort, se ressaisit. On est à 200 mètres de l'arrivée. Kit Tivoli, formidable. Laura D'Amour débordé par l'Adalgiel, Super Light, notre fort. Lutte pour les places, Nijinsky Blue finit extrêmement vite. Le numéro 8, Kit Tivoli va l'emporter, le 10. L'Adalgiel est deuxième, l'As, notre fort. Et troisième, le 4, Nijinsky Blue. Et quatrième et à distance, Super Light, le 12, a peut-être pris la cinquième place, à moins que ce ne soit Java d'Arche. Mara Bourbon a fini remarquablement. Laura D'Amour a du mal à conclure. Elle n'était plus dans de belles allures en phase finale.